Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la Blissim du mois de décembre. Je l'ai reçue, elle est là, elle est toute mignonne, mignonne, regardez, elle est vraiment très jolie, très jolie. Et en plus, surprise, c'est une boîte tiroir, comme j'aime beaucoup, voilà. Et celle-ci, ben, clairement, je vais la garder, parce que vraiment, elle est vraiment très très belle, très très belle. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis également, si cette box vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage, vous permettra d'avoir une réduction de 10€ sur le site de Blissim, voilà, sur le e-shop. Et comme je vous le dis souvent, moi j'achète très très souvent sur le site de Blissim parce que bah, les prix sont bien plus attractifs que sur n'importe quel autre site. Donc voilà, n'hésitez pas. Bah, c'est parti, on va découvrir le contenu de ma Blissim. Let's go. Donc le thème est le grand Noël, voilà, avec le QR code. Alors je vous avoue que moi du coup je vais aller directement sur le site. Là j'ai pas mon téléphone sur moi, donc je profite d'avoir mon ordinateur devant moi. Et on va pouvoir, je pense, normalement, si je me connecte, d'avoir les produits de ma box. Roulement de tambour, ma box. Et effectivement, je pense avoir la liste des produits, donc on regardera directement sur le site. Elle est très très remplie, vraiment très remplie. Ce mois-ci, on avait le choix entre un produit de chez MAC. Voilà, on pouvait choisir un produit de chez MAC, un mascara, un rouge à lèvres, ou je ne sais plus quoi d'autre. Il y avait trois produits différents, et ou alors un produit pour le teint. Et je vous avoue que moi, j'ai choisi plutôt un produit de chez MAC, et j'ai choisi le mascara. Donc, on va commencer par le mascara. Je vous avoue, je pensais que ce serait en format miniature, mais non, on a eu la version full size. Et ça, c'est super chouette. Je connaissais pas les mascaras comme ça de chez MAC, donc j'ai voulu tester et je me dis que ça peut être hyper hyper sympa. La brosse est comme ceci, un peu iconique. Donc c'est le Magic Extension, donc apparemment pour avoir des grands cils. À voir, voilà, c'est une teinte noire. Je vais vous montrer tout de même à quoi il ressemble. Oh, il est sympa, voilà, il est très sympa, un peu. Il fait effet métallique comme ça. Il est assez lourd en plus. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, agréablement surprise parce que je pensais qu'on allait recevoir un format voyage, voilà, à moitié. Mais en fait, non, non, c'est vraiment ça, un full size. Donc il a une valeur de 25€, une longueur irréelle, un volume extrême. C'est par ici, son secret, cet incroyable mascara offre un effet extension de cils grâce aux fibres de 5 mm de long qu'il contient. Il sublime votre regard toute la journée grâce à sa longue tenue, ne coule pas et ne s'effrite pas. Que demander de plus? Ouais. Donc en plus d'une valeur de 25€, très très chouette. Là clairement, bah, la Blissim elle est rentabilisée. On continue avec la marque Luna. Je connais pas forcément la marque Luna. Retinol Sleeping Night Oil. Donc une huile au rétinol pour pour la nuit. Voilà. C'est le Sunday Riley. Je connais pas du tout non plus. Donc ce produit-là. Produit pour la nuit, ça c'est plutôt cool. Alors. Donc ça se présente comme ceci, c'est tout mignon. Voilà, c'est une petite huile. Vous avez donc le format voyage qui fait 5 ml. Et puis sinon, vous avez le format donc avec une petite pipette. J'aime bien ce genre de petits produits. Franchement, en plus, quand c'est des huiles comme ça, ça suffit largement déjà pour tester. Format vente 30 ml qui coûte 96€ les 30 ml. Donc nous, 96 divisé par 6, ça fait 16€. Et donc, bah voilà, d'une valeur de 16€. Présentation du produit, donc découvrez une huile au rétinol, nouvelle génération pour une peau visiblement plus jeune et lumineuse. Son ingrédient phare, l'ester d'acide rétinoïque. Il aide à combattre les rides et les ridules, favorise l'élasticité et stimule l'exfoliation de la peau pour un effet lissé. Votre teint est plus uniforme, revitalisé et vos pores sont réduits. Ok, bon, franchement, plein de promesses, j'aime beaucoup, c'est vraiment en plus quelque chose bah, qui me correspond totalement entre les pores dilatés et puis bah, les rides et les ridules, hein. On y est, je suis en plein dedans, donc bah, à tester.
On continue avec une marque qui m'est un peu chère. Pour celles qui me suivent en vlog, vous allez vite comprendre. C'est la marque Patika. Cette fois-ci, ce n'est pas un Patika de couleur hein, rose, rose saumon, des choses comme ça, où les senteurs sont divines. Cette fois-ci, c'est une couleur bleue. Je pense qu'ils ont différentes gammes Patika. Et là, c'est le masque crème réhydratant intense. Voilà, un masque crème réhydratant. Donc ça c'est chouette, je sais qu'en plus Patika généralement ça sent la crème. ça sent un peu la crème Nivea quand même. Mais bon, ça sent la crème on va dire. Donc il n'y a pas forcément d'odeur particulière, en tout cas pas d'odeur de poupon pour ceux qui ont la ref. Mais en tout cas je pense que je vais passer un très bon moment parce que Patika, comme je vous dis, j'aime beaucoup cette marque là. Donc là, encore une fois, c'est un gros format de 50 ml, donc d'une valeur de 24,90€ tout de même. Une super dose d'hydratation flash et durable qui sauvera votre peau cet hiver. Son action est réhydratante. Il réhydrate instantanément la peau et fortifie la barrière cutanée pour fixer l'hydratation au cœur de l'épiderme. Votre peau retrouvera son aspect rebondi. Dans sa formule de l'acide polyglutamique qui peut retenir jusqu'à 5000 fois son poids en eau pour la garder au cœur des cellules. Il est composé à 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah ouais, quand même. Donc ouais, hâte aussi de tester ce produit-là. Et on est plutôt content des formats aussi, hein, n'est-ce pas? Parce que là, franchement, bon, après le Luna, mais comme je vous dis, quand c'est des petites huiles comme ça, franchement, ce petit format, déjà pour tester, c'est plutôt pas mal. On continue avec l'olivier de Léos. De Léos. C'est une lotion veloutée pour les mains. Ah, d'accord. Ok. Ok, alors le packaging comme ça, c'est assez particulier pour... C'est sobre, c'est noir et blanc, c'est... Je vous avoue que j'ai pas forcément l'habitude de voir ce genre de produit comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, petit tube, une crème pour les mains. On appelle ça une lotion lotion veloutée, mais c'est une crème pour les mains, quoi, en gros. Lotion veloutée pour les mains. Format voyage 25 ml, format vente 290 ml pour 26€. Donc nous, 25, ça fait à peu près 2,60€, un peu moins, parce que voilà, on divise par 10, mais voilà, ça fait un peu moins de 2,60€, on va dire 2,50€ le petit tube. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Sublimez vos mains grâce à cette lotion veloutée Made in Provence à la base de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Sa formule, elle est enrichie en huile de karité et d'extrait d'olivier du domaine de Léos. Bon, ça aurait été un peu étonnant que s'il n'y en ait pas forcément avec le titre. Elle nourrit la peau en profondeur et protège les mains des agressions extérieures. À vous les batailles de boules de neige. Ok. Vos mains n'auront jamais été aussi douces et en bonne santé. Et tout ça sans effet gras ni collant. Ça, c'est vraiment le plus. Mais ça, maintenant, quasiment beaucoup de crèmes pour les mains ne sont plus grasses et collantes comme à l'époque. Donc, franchement, parce que ça, c'était... Vous ne pouviez rien toucher. Il fallait attendre que ça sèche. C'était une catastrophe. Et on finit, alors plus ou moins, parce qu'après il reste encore une toute petite chose, mais au niveau des produits, on finit avec la marque Glim. Alors là, c'est kit ou double, en fonction du produit que c'est. C'est le sérum illuminateur, donc je suis pas méga fan, je l'avais déjà reçu. Le Look Hat, ouais, je suis pas méga fan. Le voici. Donc sérum illuminateur. D'une taille de 25 ml pour une valeur de 18,90€ tout de même hein. Franchement la valeur de cette box est vraiment très très haute. Let It Glow, ce sérum illuminateur pour tout type de peau va illuminer votre peau comme jamais. Ses atouts, sa formule green, unifie le teint tout en boostant l'éclat de votre peau. Dans sa formule naturelle de l'acide hyaluronique aux vertus hydratantes et de la vitamine C pour une mine radieuse, ce bon élève obtient la note de 96% sur 100 sur Yuka. Ah, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas fait. Avant, je vous ai le mois dernier déjà. Je crois que le mois dernier j'ai raté le coche. Je vais essayer de vous remettre, alors pas Yuka, hein, mais du coup Insee Beauty, qui est un peu mieux que Yuka pour ma part. Et du coup je vais essayer de vous retrouver les notes, etc. sur, et vous remettre les petits screens comme je le faisais. Je sais que vous appréciez beaucoup. La promesse, comptez sur lui pour une peau lisse, douce et tonique. La cerise sur le sérum,
Il joue les gardes du corps et protège votre peau des agressions extérieures. Ok, bon, joli, je vous dis le jeu de mots, mais bon. Clairement, ce genre de produit, je vais pas le garder. Soit je mettrai sur mon compte Vinted, soit je sais pas encore exactement, ou peut-être en concours. Je ne sais pas encore, mais voilà. Donc, mais c'est pas un produit qui me correspond, donc il n'y a aucun intérêt de le garder. Et on finit juste ben, voilà, par une carte MAC d'une valeur de 15 euros. À voir jusque quand elle est valable cette carte. Parce que j'ai un centre commercial sur Metz qui a une boutique MAC. Et peut-être qu'effectivement j'utiliserai les 15 euros ou pas. À voir si aussi on peut en bénéficier sur le site internet. Des fois ça fonctionne. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà pour le petit plus. Je sais pas ce que vous pensez de cette box, mais franchement, je la trouve très très bien. Franchement, enfin, il y a vraiment des très bons produits. J'en ai surtout, voilà, surtout trois. Là, les trois là, je vous avoue que bah, c'est vraiment très très chouette. J'ai hâte de les tester et de les utiliser, ces trois produits-là. Les deux autres, un peu moins, parce que c'est pas des produits qui me plaisent ou qui me correspondent. Mais bah, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de cette box. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Ciao !